Soyez sages, hein, les enfants, je rentrerai pas tard. Et oui, tout a commencé comme ça. Pourtant, au début, j'étais une petite fille tout à fait normale. Rends-moi ça! Non. Écoute bien petit frère, ouais. Ce garçon aux yeux clairs, Lilouche. Qui nous a emmenés. Où ça? Hier soir au ciné. Un navet. Ce n'est qu'un bon copain. Tu parles. Ça ne va pas plus loin. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh la menteuse. Ce garçon n'a rien pour plaire. Elle est amoureuse. Même s'il a de beaux cheveux blonds, même s'il a de gentilles façons. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Écoute bien petit frère, ouais. Je n'aime pas ses manières. Moi non plus. Tu es trop jeune encore. Mais non. Tu sais que tu as tort. Oh. Retourne à tes leçons. Si je veux. Je n'aime pas ce garçon. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh la menteuse. Ce garçon n'a rien pour pleurer. Elle est amoureuse. Même s'il a de jolis yeux. Gentille manière. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. C'est vrai qu'il est gentil. Il est bête. Qu'il a beaucoup d'humour. Tu trouves? Ce qu'il faut de folie. Ah, ça, c'est mais vrai. Ne va pas t'imaginer que j'ai trouvé le grand amour. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh la menteuse. Ce garçon n'a rien pour pleurer. Elle est amoureuse. Même s'il a beaucoup de charme, si parfois il me désarme. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Écoute bien petit frère, ouais. Tu sais je suis sincère. Mon si oeil. Ce garçon me plaise, bah, il te plaît. Eh bien je te le dirai. Tu parles. En tout cas petit frère, ouais. Mêle pas de tes affaires. Oh, ouh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh la menteuse. Ce garçon n'a rien pour pleurer. Elle est amoureuse. Même s'il a de beaux cheveux. Elle est amoureuse. Oh, mais arrête! Arrête! Elle est amoureuse. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Je vais dire à papa! Non, non, tu es amoureuse. Carlos! T'es amoureuse! C'est pas vrai! T'es amoureuse, amoureuse, non, amoureuse, amoureuse. Elle est amoureuse. Eh oui, j'ai donc eu une enfance très heureuse avec Carlos, mon petit frère. Ah, il faut dire que Carlos était un vrai bout en train. Il n'avait déjà qu'une seule passion, la musique. Avec les enfants du quartier, on avait monté une fanfare. Passer la fanfare, arrête-toi sur le trottoir. Tu verras devant un caniton blanc, la barbe noire. Il fait briller les cuivres éclairant les yeux des filles au balcon. Le élégant bête des majorettes du canton. C'est moi, c'est fanfare la fanfare. Le joyeux tri qui fait des tris à tour de bras. On joue des airs du répertoire. Et même le chef de gare m'a dit que tu etc. C'est nous, les fanfans, la fanfare. Le régiment des rigolos, du piccolo. On tape comme des sourds, la grosse caisse du tambour. Et plus c'est fort, plus on nous crie style, nous quand on défile, on redevient des enfants. On fait des ombats au milieu des stades à la mi-temps. Les gens nous acclament, certains nous réclament. Les Gaulois sont dans la plaine. Trois coups de trombone, c'est 10 000 personnes qui reprennent. Hey c'est nous, les fanfans, la fanfare. Les joies de tri qui vont des prix à tour de bras. On joue des airs du répertoire. Et même le ciel de garde. Les fanfans, la fanfare. Le régiment des rigolos du picot.
fanfare, hein? Et tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir? Papa était un peu sévère, c'est vrai. Mais je l'adorais. C'est lui qui a voulu que j'apprenne à jouer du piano. Piano avec papa, on joue à quatre mains de jolis petits refrains. On se joue n'importe quoi, c'est simplement pour papa et moi. Ma petite fille, ça tient de famille, chez nous on aime la musique. Je vois. Ton cousin Ernest et tes chefs d'orchestre, on dit même qu'il a fait un disque. Lui ? Ernest, oui. Au piano avec papa, on chante des chansons sans rime ni raison. On chante n'importe quoi, c'est simplement pour papa et moi. Ma petite fille, ça tient de famille, chez nous, on aime la musique. Ta tante Ridis était cantatrice. À l'opéra, c'était fantastique. Quand les harmonies d'une mélodie s'envolent, tout devient magique. Au piano, on chantera toute notre vie, rien que toi et moi. On chantera n'importe quoi, simplement pour papa et moi. Simplement pour papa et moi. Eh oui, il y avait l'école. Jackie était mon meilleur copain. Mais écoute, Dante... L'addition était complètement fausse, j'ai eu zéro, c'est malin. Mais écoute, Dante, Jackie j'ai pas fait exprès. Jackie, dépêche-toi d'un star. D'accord, Dante, mais écoute, j'ai pas fait exprès. Jackie, Carlos et moi étions dans la même classe. Nous avions un professeur très sympathique. Élève Jackie, présent. Vous êtes le premier en langue française. Pour vous, sa pratique n'a plus de secret. Détendez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Dites-moi ce que veut dire le mot freluquet. Monsieur le professeur, je sais tout ça par cœur. Le mot freluquet, ça veut dire un type plutôt pas terrible, plutôt mal barré. Une sorte de pauvre mec qui vaut pas un clip. Un genre de blaireau vachement débranché. Jackie, mon petit, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papi, au lycée papillon. Élève Carlos. Oui, monsieur. Vous connaissez bien la géographie, le nom des pays et toute leur histoire. D'Europe, d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie, dites-moi très vite ce qu'il faut savoir. Monsieur le professeur, je vous réponds sur l'heure. En Belgique, on mange de moules et des frites de foie. En Allemagne, rien ne vaut une bonne choucroute. Oh, hey! Pour les hamburgers, vive l'Amérique. Caviar à Moscou pour casser la croûte. Le sujet est neuf. Très bien, vous avez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papi, au lycée papillon. Élève Bébert. Ouais. Vous êtes spécialiste de la botanique.
vous connaissez bien le monde végétal. Alors mon enfant, répondez-moi vite, dites-moi ce que vous savez sur la banane. Oui, monsieur le professeur, je sais tout ça par cœur. Pour la faire pousser, ouais, faut au moins 3 ans. Et de la brillantine très régulièrement. Faut qu'elle parte derrière et qu'elle revienne devant. Et surtout, faut éviter les coups de vent. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papillon, au lycée papillon. Élève Dorothée. Oui, monsieur. En langues étrangères, vous êtes fantastique. Vous parlez anglais sans aucun accent. Quels sont les plus grands poètes d'Amérique? Répondez-moi vite, ma charmante enfant. Monsieur le professeur, Forgeron, Canonsoir. Pour moi, le plus grand, c'est Buddy Holly. Quoi qu'il dit, Cochrane soit pas mal aussi. Mais il faut citer, pour être complet, Jerry Lee Lewis et Elvis Presley. Ma foi, c'est très bon. Je vous mets 10, tout rond. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papillon, au lycée papillon. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papillon, au lycée papillon. Jackie a toujours été gentil avec moi. Ah bah, Dorothée, donne-moi tes affaires, je peux te les porter. Oh, c'est gentil, Jackie. Voilà, merci. Dorothée. Oh, tiens, tu regardes ça. Mais Bébert avait un scooter. Au revoir, Dorothée. À ce soir, à la Surboom, on dansera le slow ensemble, ce sera bien. Ah, Dorothée, t'es la plus belle pour aller danser. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance-là? Mais on s'endort! Oh. Allez, du rock'n'roll! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 9, 11 o'clock, 12 o'clock, rock! We're gonna rock around the clock tonight with the glad rock song. And John Mehan, we'll have some fun when the clock strikes up. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, rock, rock till round the clock tonight. Alors allez-y, venez danser. Pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît. C'est plus cassé. Pour danser le Madison Twist. Oh, 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 oh. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, oh.
Puis le temps a passé, le baccalauréat. Un soir de Noël, je me suis aperçue que je n'étais plus une petite fille.
cherchions du travail. Carlos rêvait de faire du cinéma. Je suis très grand et très gentil. Mon nom est Oliver Hardy. Je suis tout petit et l'on m'appelle Monsieur Stan Laurel. Tous les deux, on a vécu des aventures fantastiques. Il paraît même qu'on est connu au cinéma comique. Oh, dis-moi, Oliver, qu'est-ce qui sort par la cheminée? De la fumée, Stan, bien sûr. Oh, non, Oli, c'est le Père Noël. Oh, Stan, tu es un imbécile. Oliver Hardy. La vie est toujours belle par Alice and Laurel. J'essaie toujours de bien faire pour mon ami Oliver. Si tu veux mon avis, Stanley, ne fais rien, je t'en prie. Mais même quand on se querelle, on reste toujours amis. Qui peut imaginer Laurel sans Oliver Hardy? Pour la voiture. Oh, bien sûr, Oli. Et même comme elle était très gentille, j'ai rajouté un sucre. Oh, un sucre dans l'essence. Oh, Stan, tu es un idiot. Oh, oui, Oli. On est Oli, Oli. On est Oli, Oli. En attendant, pour gagner un peu d'argent, on travaillait tous les deux dans un garage. Le soir, on profitait du garage pour répéter avec les copains. On avait monté un groupe de rock. Ma cousine Ernestine, le fils de ma voisine, et le petit Gilot, le frère du marchand de vélo. Mon copain Sébastien, le fils du pharmacien, la petite Clara du coin, et bien sûr Jean-François et moi. On a formé un petit orchestre, on fait de la musique. Tous les soirs on répète dans une arrière-boutique. C'est ça le groupe. Décidé à aller voir un impresario. Allô, New York? Oui, pas moins de 50 000 dollars, merci. Allô, antenne 2? Oui, n'oubliez pas le ticket restaurant, s'il vous plaît, merci. Merci. Suivant.
monsieur. Monsieur, vous qui aidez les jeunes, faites quelque chose pour moi. Excusez-moi, mais vous savez, je m'occupe plus des débutantes. J'ai plus le temps. Revenez me voir quand vous serez Greta Garbo ou Sarah Bernard. Oui, alors là, j'aurai plus besoin de vous. Ah oui, tiens, ça, c'est vrai. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Oh, faites-moi entrer dans votre trou. Oh, mais c'est pas facile, ça, vous savez. Qu'est-ce que vous savez faire? Oh, je peux être très câline. Oui, c'est intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire des câlins. Je suis également experte en cuisine. Oui, n'en faites pas un plat, mademoiselle. Je parle plusieurs langues. Essayez plutôt le français. J'adore les enfants. Bon, bah faites-les avec votre petite amie. Bon, qu'est-ce qui me manque pour faire partie de votre troupe? Ah, ça, beaucoup de choses, hein. Vous n'avez pas la bonne taille. Ni la bonne couleur, ni le bon accent. Oh. Ben oui, vous savez, le petit truc qui fait qu'on vous remarque d'abord et puis qu'on se souvient de vous ensuite. Pour réussir, il faut savoir se faire toute petite. Être bronzée toute l'année. Hey, et puis il faut avoir sa carte de travail. Alors, à genoux et passer au brunois, j'aurai peut-être ma chance. Non, n'exagérons rien, nous voulons bien vous donner quelques conseils. Merci. Bon, d'abord, pour plaire aux producteurs, portez de préférence une mini-jupe. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont la vue basse et parce qu'ils sont très pressés. Et pour plaire aux journalistes? Pas de jupe du tout. Comment faire pour faire une bonne chanson? Oh, c'est très facile, ça, vous savez, une bonne chanson, c'est une chanson qui dure moins de 3 minutes et qui n'empêche pas de penser à autre chose. Et qu'est-ce qu'un bon impresario? Bon, c'est quelqu'un qui vous sert à la fois de papa, de maman et de tonton. Comme celui de Mireille Mathieu, non? Oui, à peu près, mais enfin, vous pouvez peut-être trouver à moins cher. Et comment peut-on jouer la comédie? Oh, bah ça, c'est très simple, mariez-vous. Avec un metteur en scène de préférence. Ou un comédien d'avenir. Oh. Hey, Dorothée, viens chez moi un soir. Je te ferai visiter le tiers-monde. Oh! Bon, mademoiselle, vous avez compris. La preuve est faite, hein, que ça n'est ni un milieu, ni un métier pour vous. Alors, à votre place, je retournerai plutôt chez mes parents. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, raconte. Bah, comment ça s'est passé? Bah, on a discuté. Bah, et alors? Oui. Il m'a interrogé. Ouais, bon, bah, Il m'a engagé. C'est génial! Super! Ah, mais non, mais laissez-moi parler tous les deux! Il m'a engagé à rentrer chez moi. Ça n'a pas marché, quoi. Oh non! Bah, ça n'a pas marché! Mais il est nul, cet impresario! Oh, bébé! Ça n'a pas marché! Oh. Ça va pas, mais il est fou, ce type! Oh, Dorothée, se fait jeter, lui, des BD! Ouais. Non, mais alors! Des BD? Oh. Quoi? C'est derrière des schtroumpfs! Fais voir! Ouais, mais ça. Eh oui! Oh là là, il y en a beaucoup! Moi aussi, j'en veux à la fond, là! Bon, il y en a qui va et moi, alors? Oh, petit cacheté, t'en as pu dire alors que j'en avais. Ah, c'est ce que je voulais. Ah bon? Vraiment, tu caches bien ton jeu. Oui. Oui, mais. Oh, le schtroumpf farceur, c'est terrible. Oh là là! Prêt? Oui. Oui. Ça, monsieur, dame. Joyeux Noël. Gendarmerie nationale. Messieurs Carlos, Jackie et Bébert, c'est ici? Oh, je trouve! Oh, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont absolument Écoutez, rien fait! Écoutez, ma petite dame, le règlement, c'est le règlement. On s'assied et vous, on se lève, s'il vous plaît, hein? Pas d'histoire, vas-y. J'approuve, collègue. La loi, c'est la loi. Oh. Bon, bon, ben alors on y va, hein? Hélas, ce n'était pas un rêve. Les garçons n'avaient oublié qu'un seul détail, le service militaire. Carlos a été le plus vénard. Il est parti pour Tahiti. Jackie et les autres, à Mulhouse. Et moi, j'ai repris mon travail au garage. Sur les abords du périphérique, je t'ai perçu par ma vitre. On aurait dit comme le générique d'un film ricain sans sous-titres. Tu ne m'as même pas demandé où j'allais. On aurait dit que tu t'en foutais. Moi je fais les droits sur l'Atlantique, voir les bateaux qui chavirent. Je voulais me noyer dans le romantique, l'idée semblait séduire. Tu me dis je n'ai jamais vu l'océan. Qui sait là-bas, c'est peut-être plus marrant. J'ai compris ta philosophie, baby.
et ta façon de voir la vie. Et pourquoi pas, si c'est ce qui va. Tu n'es pas concerné, plutôt du genre consterné. Et pourquoi pas, si c'est ce qui va. Je te regarde dans le rétro de la buick, sous les nuages qui se déchirent. Les poteaux télégraphiques, tu ne trouves rien d'autre à me dire. Tu as vraiment l'air de foutre de tout, de prendre tous les autres au défaut. J'ai compris ta philosophie, baby Lou, et ta façon de voir la vie, baby Lou. Et pourquoi pas, si c'est ce qui te va. Du genre consterné. Et pourquoi pas, si c'est ce qui te va. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Jen. Wow, bah dis donc, elle est chouette cette voiture, hein. Oh, oui. Mais pas à moi. Ah bon? Non, c'est à mon patron. Il m'a envoyé faire le plein. Du super peut-être. Oh ben oui. Hein? Et c'est Jen qui me fit entrer comme secrétaire chez son patron. Il y avait une troisième fille, très sympathique, Karen. Oh là 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 là, on formait un drôle de trio. Splendide. Du lundi au vendredi, 9h05 à l'ennemi. On retape encore de nos jolis doigts d'or. Des pages d'écriture, des lettres et des factures, des signes et des signes, de points à la ligne sur nos petites machines. Que c'est dur d'être secrétaire. Faut pour sûr un bon caractère. Les ratures, faut jamais. Que l'enfer. J'ai taché mon tailleur blanc en changeant le ruban. J'ai filé mes bas du haut jusqu'en bas. Je peux pas sortir comme ça. Hier, le sous-directeur m'a offert quelques fleurs. Il m'a demandé si je pouvais rester pour finir le courrier. Oh, que c'est dur d'être secrétaire. Jamais en faire, on vous jure, c'est presque l'enfer. Dès qu'on se fait les ongles, y a le téléphone qui sonne. C'est trop difficile pour être tranquille. Moi j'ai coupé les fils sur nos petites machines. On a tapé trois lignes. Joli secrétaire, gentil et sincère. Épouserait milliardaire. Ce sera doux de ne plus rien faire. À Corfou, au bord de la mer. Des bijoux, des peaux de panthère. Tout, tout, tout pour nous satisfaire. Ce sera super, mais que c'est dur d'être secrétaire. J'avais des nouvelles des garçons. Carlos m'envoyait des cartes postales de Tahiti. Apparemment, tout se passait très bien pour lui. Quand je suis venu au monteur,
ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, ça ferait plein de méchants qu'on n'en parle si grand, il faut pas le montrer du tout, non. Un jour l'institutrice me dit, mais que t'as grandi. Je réponds sans malice, mais mon papa il grandit lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie, mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh, papa you, papa you, papa you, papa you, lélé. C'est le plus bon des papa you, lélé, que j'ai vu depuis des années. Papa you, papa you, papa you, papa you, lélé. Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux. Ça ferait plein de méchants qu'on n'ont pas de si grands, ça ferait plein de badauds qu'on rien vu d'aussi beau. Mais qui dirait partout, c'est d'un drôle de joujou, il faut pas le montrer du tout, non. Un jour à Colamaya, une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou. Ma mère me disait, pour moi le monde est sorti des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 lélé. C'est le plus connu, papayou, lélé. Ah, tout le monde n'avait pas autant chance que Carlos. Mais Bébert et les Forbans n'avaient pas oublié la musique. Vas-y, ramène-toi avec tout le monde.
et par quel miracle, il avait été nommé sergent-chef. Et il prenait son rôle très au sérieux. Vous me ferez 5 jours de trou à la place. Vous croyez où, vous? À l'Olympia ou au Gavro? Alors? Et la banane, la réglementaire, c'est pas un peu long, ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette boucle d'oreille? Qu'est-ce que c'est que cette boucle d'oreille? Hein? Vous allez monter les couleurs le 1er janvier, place de l'Étoile. Alors, au lieu de jouer du rock'n'roll, hein, vous ferez mieux de servir la patrie. Mais ça veut dire quoi? Il m'agace. Je déteste le rock'n'roll. Je déteste ça. Mais ça veut dire quoi? Et moi, pour passer le temps, j'allais au cinéma. Je vais voir le magicien, le merveilleux magicien d'Oz. De chaque chose et c'est la cause, le merveilleux magicien d'Oz. En suivant le chemin de briques vers le pays magique, je vais voir ce que me propose le merveilleux magicien d'Oz. Mais qui êtes-vous? Moi? Mais je suis l'épouvantail du pays d'Oz, ça ne se voit pas? Vous allez où, vous? Je vais voir le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz? Mais c'est extraordinaire! Je vais le voir, moi aussi! J'espère qu'il ne donnera juste un petit bout de cerveau. Un cerveau pour penser tout bas, ce qu'aujourd'hui je dis tout haut. Moi c'est un cœur qu'il me faudrait, un grand cœur pour aimer. Sans cœur je ne suis qu'une chose. Allons voir le magicien d'Oz. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est l'homme de fer. Attends, attends, il a dû rouiller, attends. On va voir le magicien, le merveilleux magicien d'Oz. De chaque chose, c'est la cause, le merveilleux magicien d'Oz. En suivant le chemin de briques vers le pays magique, allons voir ce que nous propose le merveilleux magicien d'Oz. Oh monsieur, monsieur le lion, venez, n'ayez pas peur. Vous ne ferez pas de mal. Oh mais non, voyons, nous allons voir le magicien d'Oz. Oh, oh, je peux venir avec vous? Il a peut-être quelque chose pour moi. Hein? Moi, ce que j'attends de lui, c'est un petit peu de courage. J'ai peur le jour, j'ai peur la nuit. Pour un lion, c'est bien dommage. En suivant le chemin de briques vers le pays magique, allons voir ce que nous propose le merveilleux magicien d'Oz. On va voir le magicien, le merveilleux magicien d'Oz. De chaque chose, c'est la cause, le merveilleux magicien d'Oz. En suivant le chemin de briques vers le pays magique, allons voir ce que nous propose le merveilleux magicien d'Oz. Et puis on s'est tous retrouvés. Et Carlos a une idée extraordinaire. Ouvrir la branche française d'une célèbre agence de détectives. Et pour cela, il nous a engagés, Karen, Jen et moi. Alors, mon cher Carlos, on m'a dit que vous aviez trouvé 3 ravissantes drôles de dames. C'est encore mieux que ça, chef. Il y a ma sœur et 2 superbes filles. Bonjour, Charlie. Bonjour les filles. Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas avec moi. Il fait un temps superbe au bord de la piscine. Pardon, Charlie, franchement, vous êtes un ours polaire ou un pingouin? Oh, mais non, mais c'est le plein été ici aux Bahamas, ma chère Dorothée. Eh oui, je reconnais déjà vos voix. Dites-moi, mon petit Charlie, je vous assure que c'est frustrant. On pourra vous voir un jour. Mais pourquoi pas? J'adore les jolies femmes. Mmh. Oui, parce qu'il paraît que vous êtes très mignon. Oh, ma petite Jane, il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on raconte. Regardez Carlos. Quand on m'en a parlé, on me l'a décrit comme un véritable athlète. C'est la vérité, chef. Mais bien sûr, Carlos, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, mesdemoiselles, j'ai tout de suite un petit problème pour vous. Une nouvelle caméra révolutionnaire a été inventée par les techniciens d'Antenne 2. Elle permet de transmettre des images de télévision grandeur nature sur des murs ordinaires, sans le moindre récepteur. Eh ben dis donc, va falloir un mur drôlement costaud pour Carlos. Ben c'est vrai que vous auriez besoin d'un petit régime, mon cher Carlos. Bon, enfin, en tout cas, pour l'instant, le problème n'est pas là. Cette caméra a mystérieusement disparu sur le plateau du Studio 15. À vous de la retrouver, mesdemoiselles. Voici vos nouvelles identités. Jane, vous serez réalisatrice.
Dorothée, vous serez cadreuse. Quant à vous, Karen, vous allez faire vos débuts dans la chanson. Bonne chance, les filles. Bon, le 4 au casque. Rien de louche, Dorothée? Non, non, Jeanne, tout va très bien. Bon, ben on verra, hein. Joël, top musique. Le jour même, Karen signait un contrat avec un grand producteur. Et un metteur en scène qui passait par hasard en régie proposait à Jen le premier rôle dans son prochain film. Quant à la caméra révolutionnaire, on ne l'a toujours pas retrouvée. Et la vie a continué. Jusqu'au jour où... Allô? Oui, c'est moi. Comment? Un show de télévision? Mais c'est formidable! Mais oui, bien sûr! Formidable, formidable, oui, mais quoi faire? Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans passant un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes
sur le piano, ré mi fa sol fa mi ré do. Faut un refrain. Eh bien, ça c'est très bien. Et puis un couplet. Tu viens de le trouver. Alors il faut chanter tous ensemble sans hésiter. D'abord à l'unisson pour essayer notre chanson. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Si l'on veut aussi, on peut faire un pont, changer d'harmonie pour changer la chanson, rajouter ici un ou deux accords. C'est joli, chante au corps. D'accord, pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, faudra écrire des partitions, une orchestration pour 200 violons, des notes de musique pour un orchestre symphonique. Toujours rythmé par le piano, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Encore un couplet, un autre refrain. Et si cela vous plaît, avec nous il faut chanter. Attention car maintenant on va trouver un contre-chant pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons. Il faut redonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes de musique, une petite mélodie sympathique. On va reprendre la chanson en modulant d'un demi-ton. Un, deux, trois, quatre. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes de musique, que vous êtes amusés autant que nous. Alors, à très bientôt sur Antenne 2 et à tous et à toutes, un très joyeux Noël.